Et Air France en accord commercial. La signature s'est déroulée en présence du ministre des Transports qui recevait les responsables de la compagnie aérienne nationale française. Objectif de la rencontre, des échanges sur l'apport technique du géant français de l'aéronautique à la mise en place de la nouvelle compagnie Fly Gabon. Arnaud Mbamukung, Thierry Aldomanaka. L'ambassadrice de l'art de voyager à la française depuis 90 ans, Air France, arrive au cabinet du ministre des Transports. La délégation d'Air France KLM, conduite par sa présidente directrice générale Anne-Marie Couderc, est venue échanger avec le ministre des Transports sur deux points que sont le renforcement de la coopération économique et l'apport technique d'Air France à la mise en place de la compagnie nationale aérienne Fly Gabon. Nous avons réaffirmé au ministre notre souhait d'être dans l'accompagnement du développement de cette compagnie et nous serons présents. Sur le renforcement de la coopération économique, Air France et AfricJet ont signé un accord de coopération commerciale positionnant l'aéroport de Libreville comme une plateforme de correspondance en Afrique centrale. Nous avons donc aujourd'hui, sous le patronage et parrainage donc à la fois du ministre et de notre président, signer effectivement un accord de coopération commerciale qui vise deux objectifs principaux. Le premier, c'est de développer notre réseau. Et le deuxième objectif, c'est d'améliorer l'expérience de nos clients. Les deux opérateurs Air France et AfricJet ambitionnent de développer le trafic à l'aéroport de Libreville en augmentant la connectivité régionale et internationale du Gabon. Ainsi, la commercialisation supportée par Air France au niveau mondial donnera par ailleurs une forte visibilité internationale à la destination Gabon et au réseau régional d'AfricJet.